Nous allons étudier la technique du blocage des cordes. Alors, comment effectuer une telle technique? Tout simplement, déjà, nous allons utiliser un médiateur très fin, 0,38 ou 0,50 mm. Moi, j'ai un 0,88, mais bon, j'ai l'habitude. Alors, on va se mettre tout simplement en la mineure. Ok, on commence toujours par un accord assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait utiliser la technique du palm muting. Donc, je vous invite à voir un peu donc cette leçon-là. Et en fait, vous allez tout simplement bloquer le bas. Donc on fait une frappe, on envoie le médiator que quasiment vers le bas et on bloque, on mute les cordes. Ce qui va nous donner en fait déjà la technique du blocage. Et dans la rythmique, ce qui va faire en sorte de repartir, c'est quand on relève pour emmener les cordes. Ce qui nous donne. Très bien. Donc sur un blocage simple, d'accord? Et sur un double blocage, alors comment je fais pour faire un double blocage? Tout simplement, je fais une frappe en aller, je gratte vers le bas, je relève. Je fais retour, aller blocage et retour, tout simplement comme une rythmique comme ça, hein, comme dans les Four Non Blondies ou toute autre rythmique qu'on reprend par le dessous, hein, qu'on a déjà vu. Sauf qu'on va le faire comme ça. C'est aussi ce qu'on fait en transition, hein, comme sur les Rolling Stones, Satisfaction, on fait ça comme transition. On pourrait très bien faire. D'accord? Ce qui nous donne. Alors, c'est une technique qui est beaucoup utilisée. Sur le morceau d'ailleurs de Nirvana, The Man Who Sold the World, où c'est exactement la technique. D'accord? Et on l'a également sur la rythmique vivante, alors c'est un peu moins perceptible. On bloque, mais on relève rapidement. D'accord? Et évidemment, quand on fait des. Hein, comme pour du ska. C'est très rapide. Donc là, on va bloquer et on va relever. D'accord? Blocage, on frappe, on bloque, on relève, on revient, on relève, on bloque, on relève. Ça, c'est pour le double blocage. Hein, d'accord? Pour le simple. Voilà. Je vous invite à travailler ça avec le La mineur et le Do. Alors, au départ, ne faites que le premier blocage, c'est-à-dire comme ça. OK. Il y a juste un blocage. Sinon, ça va être trop compliqué. Vous faites un blocage, une transition normale, un blocage, une transition normale. Voilà, donc à travailler lentement et bon courage à vous.